Bienvenue sur DFM TV, vous êtes sur Classico. Classico donc qui va se balader sur trois thèmes essentiels ce jour. D'abord, on parlera de cette finale de la Ligue des Champions entre le WAC Wydad Athletic Club de Casablanca et Al Ahly du Caire, finale remportée par les Égyptiens, c'est leur 11e titre. Et puis on va aborder le sujet du match amical Maroc contre le Cap Vert. Les requins bleus étaient présents du côté de Rabat et ont arraché un match nul. 0-0 face aux demi-finalistes de la Coupe du Monde. Et puis derrière, on va évoquer le cas de la Botola qui reprend donc dès demain avec les matchs comptants, n'est-ce pas, pour la 26e journée de cette Botola. Donc on va revenir en longueur et en largeur sur les différentes rencontres et essayer d'analyser les chances des équipes qui sont en lutte pour le titre. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Youssef Moutawakil, c'est un intermédiaire, il est également un spécialiste de l'actualité sportive. Bonjour Youssef. Bonjour Bertrand. Encore un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Aussi, de même, aussi, merci de m'avoir invité encore une fois et d'être présent chez vous au plateau de Classico. Votre disponibilité nous honore, Youssef. On va échanger, toi et moi, toujours, sur ce sujet, mais on va commencer par cette finale retour entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et Al-Ahly du Caire. Voilà, je vais d'abord donner moi mes impressions dans cette finale. C'est tout simplement que je pense que l'équipe du WAC a tout donné. Cette équipe a donné tout ce qu'elle avait dans les tripes. J'ai d'ailleurs vu les joueurs très dessus à la fin de la rencontre, notamment parce qu'ils ont produit du jeu. Ils ont essayé de dominer l'adversaire. Ils ont développé, ils ont pris le match comme il fallait pour moi. Ils ont fait l'essentiel, c'était de marquer. Ça, c'était déjà d'un. Maintenant, comment est-ce qu'il fallait réagir après? Soit conserver ce but, soit aller chercher un deuxième but pour se rassurer. Je pense que c'est à ce niveau-là que les choses ont un tout petit peu coincé. Même si en face, on avait une équipe de Al Ahly qui n'est pas venue jouer. Cette équipe a commencé à jouer quand elle a encaissé le but. Mais avant d'encaisser le but, elle perturbait totalement les joueurs du WAC. C'était par des petits tacles, un jeu un peu rugueux. C'était aussi par des paroles. La frustration vers l'arbitre, on a vu Tessema pratiquement un peu... À tout moment, il fallait arrêter le match. À tout moment, il fallait arrêter le match pour calmer les joueurs et tout. Je pense qu'on avait déjà prévu ça. On avait déjà prévu ça dès le départ et on savait que les Égyptiens ne viendront pas totalement jouer. Ils viendront avec un autre style pour essayer de brouiller un tout petit peu le jeu. Mais je suis un peu gêné parce qu'il y a des regrets dans cette rencontre. Il y a des regrets, surtout au niveau de la concentration. Au niveau de la concentration, je sais, c'est des faits de match. On ne peut pas totalement en vouloir aux joueurs qui ont été présents tactiquement, même physiquement, mais il a manqué un tout petit peu, un petit quelque chose. On est, je crois, à 10 minutes de la fin du match où la victoire est toujours du côté du WAC. Comment ne pas rester concentré pendant ces 10 minutes et conserver le 1 but? C'est un peu ça qui moi, m'a un peu dérangé. Manque de concentration. Tu maîtrises bien le match en première mi-temps. Il y a eu très peu d'occasions, quasiment des deux clubs. Le WAC, quand elle a marqué, elle a essayé de maîtriser bien le match, elle a essayé d'attaquer, il y avait très peu d'occasions. Elle n'a pas pu franchir la défense du WAC, il y avait très peu d'occasions, contrairement à l'avant-dernière finale de 2022. Le WAC, malheureusement, n'a pas pu conserver l'avantage d'un but. Ils n'ont pas été sérieux pour chercher un deuxième but, parce que si le WAC avait encaissé en début de première mi-temps ou en fin de première mi-temps, c'est pas grave, tu fais 1-1 et tu cherches le deuxième but. Maintenant, l'entraîneur Sven, à l'approche de la fin du match, il a fait deux changements. Je pense que ces deux changements ont un petit peu
je dirais, impacté négativement sur le rendement du joueur du Wydad, qui était incapable de marquer le deuxième but pour égaliser le score aller-retour. Donc on a vu la sortie de Bouhra, on a vu la sortie de Hassouni, même si Hassouni n'était pas au top, mais on a vu pratiquement pas d'occasion à la fin du match. Le WAC était incapable de créer des occasions pour marquer le but d'égalisation, qui est le but du 2-1. On a vu, contrairement à ça, quelques occasions de l'équipe d'El Ahly qui a pu marquer le but de la victoire sur ce match. Donc je pense que le coaching n'était pas parfait sur ce match. Le Wydad n'a pas pu conserver sa victoire et n'a même pas essayé de chercher le deuxième but sérieusement. Il y a eu quelques occasions, quelques possessions de balles, quelques duels, mais pas d'occasion nette pour marquer le deuxième but. Donc dans leur tête, c'était peut-être de jouer le jeu, maîtriser le match et conserver le but. Le public, malheureusement, je vais dire un point sur le public du Wydad. Quand je dis malheureusement, c'est juste sur une seule partie du match. Le public était exemplaire. Depuis toujours, le public du Wydad était exemplaire et il soutenait son équipe avec ses déplacements, avec les tifos, avec les sacrifices qu'il faisait et tout. Sauf que lors de ce match, moi, je vais analyser correctement et sincèrement. Sur une partie, le Wydad maîtrisait très très bien le match. Sur 1-0, il y avait beaucoup d'arrêts et tout, les tifos, spectacle, c'était fantastique et tout. Mais malheureusement, quand tu fais parfois, tu arrêtes le match, parfois c'est contre toi. C'est contre toi, pourquoi ? Parce que elle a fait des changements. Le Wydad a fait aussi des changements qui sont mauvais. Pour moi, à mon avis. Elle a fait quelques changements en attaque, avec l'entrée aussi de Abdelkader. Donc, les changements tactiques. Sur un arrêt, ils ont pu profiter, sur un arrêt de match. Après, ils étaient chanceux de marquer un but. Je pense que c'est un but aussi tactique. Un but tactique, pourquoi ? Parce que s'ils n'avaient pas marqué ce but-là, moi, j'étais sûr et certain qu'ils allaient qu'ils allaient maîtriser bien la balle et chercher le but d'égalisation et pas jouer le bloc bas. Peut-être ça pourrait créer aussi des espaces pour le Wydad pour marquer le deuxième but, mais malheureusement c'était pas le cas. Les deux équipes pour moi jouaient dans un seuil de calcul et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a deux buts qui viennent sur coup de pied arrêté. Là où je vais reprocher Sven, c'est le fait d'avoir fait entrer directement au Najem. Pour moi, Onajem devait jouer le même rôle qu'il a joué au match aller. Parce que quand Onajem est entré au match aller, il a joué un rôle très très important. On a vu qu'il est venu embêter cette équipe de Al Ahly dans les dernières phases de jeu avec son aisance technique et toute la force, le souffle qu'il avait. On aurait aimé avoir un joueur comme ça entrer en fin de match, match retour, contrairement à Haddad. Contrairement à Haddad, Haddad n'est pas ce joker-là, pour moi, qui peut arriver quand on a besoin de lui vers la fin de match et essayer d'apporter le plus. Donc, pour moi, Jadi pouvait commencer cette rencontre. C'est vrai, au match aller, Jadi n'a pas apporté tout ce qu'on voulait, mais Jadi a de l'expérience. C'est un joueur très expérimenté qui, en début de match, peut quand même jouer un rôle essentiel. Et maintenant, on peut le remplacer après pour mettre un joueur comme Ounadjep qui peut revenir avec un nouveau souffle. Et moi, ce que j'ai remarqué chez Sven, c'est une remarque tout simplement, c'est pas une reproche. C'est que quand Farhan a joué un match face à Al-Jadid, il avait marqué. Ensuite, contre Tétouan, il avait marqué. C'est un joueur remplaçant. Dernièrement, c'est un remplaçant. Depuis le match de derby Wak Raja, il est devenu remplaçant. Il avait une blessure et tout. Moi, j'ai remarqué que Sven prend, c'est-à-dire un joueur qui marque, c'est bon, il est titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions. Alors que Aboul Fetch était le joueur titulaire sur ses dernières rencontres. C'est pas que Farhan a mal joué, au contraire, il a bien joué. Son rendement était acceptable. Je ne vais pas dire qu'il a très très bien joué, mais j'ai remarqué aussi que si on parle de Ounajem qui a entamé le match, lors du match aller, il n'a pas entamé le match, il a donné peut-être une occasion, il a participé sur une occasion, et maintenant il le fait jouer titulaire.
Donc Bou Soufiane, on ne l'a pas vu. Après, Bouhra, il est rentré titulaire parce qu'il avait marqué le but de la victoire en première mi-temps. Je pense qu'il y en a quelques joueurs, par exemple Eli. Il y en a des joueurs qui jouent en équipe nationale, qui ont un bon niveau, de grands salaires. Et c'est des joueurs remplaçants. Pourquoi ? Parce que c'est un choix tactique. Ce joueur, il sait bien que l'entraîneur lui a parlé, lui dit « Écoute, toi, tu rentres dans les 15 dernières minutes. Parce que toi, tu auras le défenseur là-bas, par exemple, qui sera peut-être un peu plus fatigué. » Mohamed Chérif, qui est remplaçant alors qu'il est à l'équipe nationale. À l'équipe nationale, il est remplaçant parce que c'est un choix tactique. C'est pas toujours parce que « Ah, tu es qu'un joueur remplaçant. » Non, mais c'est un remplaçant pour un choix tactique. Parce qu'on ne peut pas faire jouer toujours les mêmes joueurs dans les mêmes postes, ou bien un joueur qui a très très bien joué sur un match, et sur le prochain match, tu le mets titulaire. Non, non, tu peux le mettre comme joueur remplaçant, tu parles avec lui, c'est un choix tactique. Donc je pense, j'ai remarqué ça avec Ounagem, Bouhra, ils ont entamé le match. D'accord ? Peut-être tu pouvais même jouer tactiquement différemment, après, ce n'est pas une reproche. C'est juste un avis personnel. Je ne suis pas coach, mais je suis quelqu'un qui regarde tous les matchs, qui suit, qui apprend en regardant les matchs. Donc je pense que c'est un peu ça. C'est des remarques qui sont très très importantes parce que, en fait, il y a cette petite instabilité dans le 11 de départ de Sven que je n'arrive pas à comprendre parce qu'en fait, on ne peut pas évaluer un joueur sur un match ou sur une action. Et nécessairement, tu as un groupe de paires de joueurs sur qui tu dois compter dès l'entame et un groupe de joueurs sur qui tu peux compter vers les fins de match. Parce qu'il y a des joueurs dont on a besoin vers les fins de match pour gérer le match. Si on parle du match de Sundowns, le match de Sundowns, c'était Aboul Fetch, il a joué en match, lors du match aller et lors du match retour, Aboul Fetch. En finale, c'est Farhan qui joue. Pourquoi ? Parce qu'il avait marqué contre El Jadidar. Je ne vais pas critiquer un des deux joueurs parce qu'il n'y a pas quelque chose à critiquer sur ces deux joueurs. Mais je parle aussi des choix tactiques. Peut-être ces choix sont peut-être limités, peut-être il a une vision différente. Donc je pense que le changement du coach au Wydad n'a pas trop changé, n'a pas changé beaucoup de choses. Si on prend un Mouta en début de championnat, il était bien, sauf qu'il y avait peut-être un problème au niveau de l'arrêt du championnat, la reprise, il a eu un retard de 2-3 jours. Je pense qu'on pourrait, le Wydad pouvait gérer ça avec un Mouta parce que c'est un entraîneur connu, il est bien, il a remporté la Ligue des Champions en 2017 avec le Wydad qui n'était pas vraiment une équipe au top, voilà, avec des joueurs, avec un effectif moins coûteux et moins, je dirais, beaucoup en dessous de la moyenne de cette équipe-là, parce que aujourd'hui tu as des joueurs qui ont beaucoup de qualité, beaucoup plus qu'en 2017, ils n'ont pas pu remporter la Ligue des Champions. C'est-à-dire on peut former une autre équipe avec le banc de touche du Wydad. Voilà, le choix aussi de la direction technique, c'était Nafti, c'est un entraîneur qui apprenait, donc il ne connaissait pas le championnat du Maroc, il venait de l'Espagne. Après, c'est un autre entraîneur, c'est Garrido qui connaît bien la Maison Rouge, Benjelloun, l'ambiance au Wydad. Il a gagné la plupart des matchs, Garrido. Après, c'est le public qui n'a pas voulu Garrido. Et en mois de mai, on fait venir Sven. Je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, côté tactique aussi. Parce que si on parle de tout ça, pourquoi on a parlé de ça ? Parce que Sven, il n'a pas gagné de match en Ligue des Champions. Il a fait deux matchs nuls face à Sundowns. Match aller, match retour. Heureusement, toujours. Si tu marques à l'extérieur, un but à l'extérieur, je pense que on va plus voir ça parce que la CAF va étudier ce projet aussi de changement. De but à l'extérieur. Exactement. Donc ça va être comme l'Europe. Et j'espère bien hein, parce que si jamais le WAC avait gagné 1-0, tu perds 2-1 en Égypte.
c'est un peu, je dirais, un peu triste. Ouais. D'accord ? Parce que le Wydad aussi a perdu une finale, c'était en fin des années 90 face à l'équipe de l'Étoile, Coupe de la, des Coupes. Le Wydad avait perdu contre l'Étoile 2-1 en Tunisie. Non, pardon, 1-0 en Tunisie et ils ont gagné 2-1 au Maroc, ils n'ont pas remporté le titre. Donc voilà, c'est un peu ça, Bertrand. Donc en fait, la défaite est là, il fallait absolument marquer un but à Casa. Le Wydad l'a fait, mais cette mauvaise gestion de la deuxième mi-temps a fait que Al Ahly est revenu au score. Les deux buts ont été marqués sur coup de pied arrêté, presque de la même manière, de la tête. Mais moi, je vais quand même apprécier un joueur. Je vais apprécier un joueur. C'est vrai, il y a quand même des joueurs qui sortent du lot. Jabran, le capitaine impérial. Au match aller comme au match retour, il a fait un match totalement parfait. D'ailleurs, la note du match, c'est le meilleur joueur du match. Il est en bonne forme. Dernièrement, il est en bonne forme. Après la Coupe du Monde, il n'était pas très en forme. Baisse de rythme, fatigue. Mais je pense que depuis deux mois, Jabran est en train de produire un bon football. Vraiment, de nous démontrer qu'il est capitaine en vrai sens du terme. Ouais. Donc, mais malheureusement, il n'a pas pu remporter sa deuxième Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est que voilà, certainement, on reverra cette équipe du WAC en Ligue des Champions l'année prochaine, peut-être. On va directement basculer vers... Je ne vais pas dire peut-être, je pense que WAC et Phare vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu me dis, t'es pas... Parce que... Non, logiquement parlant, il reste 12 points oui. sur 4 matchs du championnat. Tu as le FUS qui est 3e, oui. le FUS à 9 points du WAC qui est 2e. Donc, je ne pense pas que le Wydad va perdre 4 matchs pour que le FUS gagne 4 matchs et se classe 2e. Ça va être difficile. Mais moi, je très vois difficile, contre, très... en WAC qui va avoir du mal à se remettre de la... Je ne pense pas. Ils vont gagner des matchs. Ça se jouera entre les Phares et le WAC. Tu sais, Youssef, les matchs, ça se joue psychologiquement. Et lorsqu'on revient, cette finale était très importante pour le WAC. Très, très importante. D'ailleurs, on a vu la mobilisation de toute la famille du WAC et même de tous les Marocains ou presque, qui voulait accompagner cette équipe vers le 4e titre. Parce que c'est pas tous les jours, c'est vrai, on va dire, c'est une deuxième finale successive que le WAC joue, mais ça ne sera pas autant chaque année. Et encore perdre une finale à la maison, c'est pas à l'extérieur. Ça touche, on a vu, cette équipe avec des joueurs totalement au sol, abattus. La Botola reprend très rapidement, 3 jours après, et il y a un match important face à Agadir. Et Agadir qui joue aussi sa survie en Botola. Agadir doit se maintenir. Est-ce que le WAC aura des capacités mentales, physiques, psychologiques, d'aller faire bouger cette équipe d'Agadir? Ça sera aussi une question. Agadir aura besoin de 2 points sur 4 matchs, Bertrand. Donc 2 points sur 4 matchs, je pense que même si jamais ils perdent aujourd'hui, ils auront sur les 3 matchs... Deux points, c'est pratiquement moi mathématiquement ils sont pas maintenus. Mais est-ce que je vais dire que qu'une équipe qui termine qui termine première du championnat et qui a 30 points, est-ce qu'elle est maintenue? Elle n'est pas maintenue, mais est-ce qu'elle va descendre en deuxième division? Elle ne peut pas perdre les 15 matchs. Si tu gagnes 15 matchs, tu ne peux pas perdre 15 matchs. Moi, je pense que le Wydad, c'est vrai, donc c'est à voir. C'est à voir parce que, est-ce que mentalement ils vont préparer le match d'Agadir? Est-ce que mentalement ils vont se rattraper? Parce que tu perds la finale, automatiquement tu dois oublier, plier cette page, passer à autre chose. À autre chose, c'est Agadir. Donc il y a eu le déplacement de l'équipe, c'est aujourd'hui, à Agadir, pour une concentration, et demain c'est le match. Donc, ils auront 2 titres à jouer. Si tu perds la finale de la Ligue des Champions, c'est pas la fin du monde. Tu as la Botola, tu as la Coupe du Trône.
Donc ça dépend de la préparation. Donc c'est là où on va voir vraiment est-ce que l'entraîneur Sven et son staff, est-ce qu'ils sont à la hauteur. Donc, c'est vrai que le fils a un match difficile aussi à jouer face à sa fille qui est quatrième et qui n'est pas très mal dans l'aspect du jeu. C'est une très très belle équipe cette saison. Je crois que le FUS est tout de même aussi surmotivé parce que c'est pas. On a vu le FUS la saison dernière avec beaucoup de difficultés, mais venir cette année vers le haut du tableau, ça donne aussi une envie d'entrer dans le podium. Le FUS, elle joue sa troisième place. Donc, moi, je vais pas parler du FUS, je vais parler des Phares. Les Phares, ils sont premiers, ils ont tout perdu, il leur reste le championnat. Ils ont perdu en Coupe du Trône, notamment face au FUS. Ils ont perdu le Coupe de la CAF face à l'USMA d'Alger, le vainqueur de la CAF. Je pense que ça se jouera entre le Wydad et les Phares. Les Phares et leader, un point du WAC, ça va être vraiment ça va chauffer sur ces deux semaines parce que on aura la fin de championnat dans deux semaines, quatre matchs à jouer. C'est vrai qu'on est à quatre journées de la fin du championnat et il y a 6 points d'écart entre le FUS et le WAC. 9 points. Ouais. 9 points et ça se joue entre 12. Donc c'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. C'est difficile qu'un club premier, deuxième, même malgré les conditions, tu parles de 3 jours, c'est des joueurs professionnels. Donc ça dépend de la préparation mentale. Le Wydad ne va pas faire une préparation. Ils vont juste enlever un peu la fatigue et préparation psychique le lundi, mentale, encore une fois le mardi. Et tu débarques pour Agadir mardi, tu joues le match mercredi. Le Wydad a gagné plusieurs matchs à Agadir, moi je parle des dernières saisons, ils ont perdu à Agadir, ils ont gagné, donc c'est pas une bête noire, ni l'un ni l'autre, donc parfois c'est Agadir qui gagne, parfois c'est le WAC qui gagne, mais cette fois-ci le Wydad est obligé à remporter ce match pour toujours pouvoir garder espoir de gagner le championnat. Parce que si jamais le WAC ne gagne pas le titre de la Botola, ça va être pratiquement une année blanche parce qu'il reste que la Coupe du Trône, quart de finaliste. Il faut très très bien préparer ce match mentalement, je pense. Oui, mais le Wydad a compliqué sa lutte vers le titre face à cette équipe de Phare. Parce que c'est là que le Wydad devait prendre l'ascendance et avoir un avantage. Le fait d'avoir mal géré cette rencontre face à Phare a aussi compliqué la situation du WAC. Et les Phares sont très en confiance aujourd'hui. Les 4 matchs qui restent, je vois que cette équipe va tout donner pour ne pas laisser une chance à l'équipe. Voilà. Le duel entre WAC et Phare, c'est le match à aller. 3-0 pour les Phares, à la reprise de la Coupe du Monde, 3-0. Et il n'y avait pas d'entraîneur au WAC, il y avait un problème de départ d'un Mouta. Là, c'est un problème. Tous ces problèmes, le cumul de ces problèmes, ça vient à la fin de saison. À la fin de saison, tu vas faire un bilan, tu vas dire « Oh là là, on a perdu contre les Phares ». Donc tu es contre un rival direct, tu ne dois pas perdre. Au moins tu fais match nul ou bien tu gagnes. Le WAC a remporté 1 point sur 6 contre les Phares sur les 2 rencontres. Match nul au match retour. Les Phares, par contre, elle a gagné 3-0 et elle a fait un match nul à Casa. Donc, les 4 points décrochés par les Phares, donc ça fait 3 points de différence entre les deux. Et c'est ce qui a donné la différence que les Phares, maintenant, est première. Oui, justement. Et là, vraiment, on va rester très, très concentré sur ces deux potentiels champions de la Botola. Le Phare, cette année, quand même, pour moi, est-ce le travail que Sven a laissé la saison dernière qui sort cette équipe de là où elle était? Parce que les Phares étaient en difficulté il y a 2-3 saisons en Botola. Et on a quand même vu Sven arriver, essayer de remettre des choses en place. Il y a eu quand même aussi des bons recrutements. Et un joueur qui m'impressionne dans cette équipe, c'est au niveau de la défense, je veux dire, c'est Borges, le Capverdien, qui joue un rôle très très important au niveau de la... Qui est défenseur et buteur aussi. Et buteur il marque, aussi. Marque des buts décisifs pour les Phares. Tout à fait. Il a marqué beaucoup de buts, je pense 4 ou 5 buts. Tout à fait. Mais j'ai remarqué quand même que les Phares ont fait des recrutements assez intelligents. Aller prendre des joueurs du côté du Mouloudia Oujda, par exemple.
les ramener. Adam Nafati, ils ont un gardien de but qui est bien. Ouais. Voilà, donc Harimat, Zainedine Darag, tu as aussi Mustapha Saad, l'attaquant, l'ex-attaquant de l'équipe de Soualem. Aussi des joueurs comme Egaman, même s'il est en baisse de forme, le jeune joueur formé à l'académie de l'AS Far. Ouais. Donc aussi Emmanuel Imani Chimwe, le Rwandais. Je pense qu'ils ont un bon effectif, que l'entraîneur Sven a pu faire une équipe, construire une équipe. Déjà, quand il est venu au Far, c'était tout simplement pour remplacer Talib et les mauvais résultats qu'il y avait à l'époque. Et ils ont terminé troisième. Ils ont terminé troisième du championnat. Le coach Sven est resté avec les Phares. Il a pu bien construire une équipe. Ils ont encore une fois terminé troisième. Donc là, on a ressenti un peu le réveil du Phare sur ces dernières saisons. Et voilà, donc c'est la construction d'une équipe. Cette année, c'est Dakroz et son adjoint Adil Serraj. Je pense qu'aussi, on peut pas nier leur bon travail, oui. Parce qu'un coach aujourd'hui, il est beaucoup critiqué. Si le résultat n'est pas là, il est critiqué. Mais on doit savoir aussi les raisons de ces mauvais résultats. Parce que les Phares, moi je ne pense pas qu'ils ont fait des mauvais résultats. Si tu perds contre l'USM Alger, en quart de finale, ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas vraiment... Donc c'est le football. Il faut accepter parfois c'est ce genre de match. L'USM Alger, c'est l'équipe qui a remporté la CAF aussi. Donc voilà, donc on peut accepter. Mais tu perds un derby en Coupe du 30, c'est le football. Ça se joue parfois sur des petits détails. Maintenant, tu es premier du championnat. Tu as perdu contre l'équipe de Emirates, la Coupe arabe. Tu as perdu 3-0. C'est là qu'il y a eu la séparation de Dakroz à Adil Serraj avec l'équipe des Phares. C'est un peu compliqué parfois le football. Vraiment, c'est un peu compliqué. Il aussi peut être en faveur des Phares, aller jouer Kouribga, par exemple, demain. C'est un avantage. Ah, je pense pas que c'est un avantage parce que Kouribga a mis déjà un pied en deuxième division. Donc, est-ce que contre les Phares, ils seront prêts à mettre le deuxième pied? Je pense pas. Ils vont faire leur jeu. Oui, mais c'est les Phares qui sont premiers du championnat. C'est les Phares qui sont premiers, mais ils ont perdu. Ils ont perdu aux Émirats. Ils sont pas vraiment, vraiment psychiquement. Ils sont pas au top. Ils ont perdu. L'âge entre les Phares et Kouribga. Changement d'entraîneur, c'est un peu difficile. Khrevga, ils ont l'entraîneur le plus titré au Maroc qui vient pour sauver l'équipe. Donc moi, je m'attends à un match très difficile de la part de Khrevga. Non, mais moi, je pense que les Phares, systématiquement, déjà vont d'abord jouer à domicile. Ça, c'est un avantage. De deux, c'est une équipe psychologiquement qui est très, très bien en place parce qu'ils ont... sont en train de voir déjà le titre devant eux. Ils sont en parfaite confiance. Et aussi le fait qu'ils aient des joueurs quand même qui sont habitués à un certain nombre de situations. Ils sont des internationaux. Ils ont joué la Coupe de la CAF. Ils ont atteint un certain niveau, les quarts de finale. Compétitivement, ils sont très bien aguerris. Quant au Kouribga, je pense quand même que c'est un avantage qui leur est adressé. Kouribga, ils ont gagné. Face au Raja, il y a un mois, ils ont gagné 1-0 à Gaza. Le Raja n'est pas... cette année, c'est pas... Le Raja n'est pas... Mais ils ont fait le plus dur. Ils n'ont pas gagné depuis X temps et ils ont gagné contre le Raja 1-0. Donc déjà, ils ont cette... ils auront ce courage d'aller jouer au foot et d'aller jouer à Rabat pour gagner. Il y a eu l'arrêt du championnat. Il ne faut pas le cacher. L'arrêt du championnat. Tout dépend de la préparation... cet arrêt de la préparation. Si Kouribga a bien préparé son match, moi je suis sûr et certain que ça va être la bête noire des Phares à Rabat. Oui, mais Youssef, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que une équipe comme Kouribga, qui est au fond du classement, va aller créer des problèmes aux Phares sur place à Rabat. Je ne peux pas être totalement d'accord avec ça. Si on va rester logique, les Phares est première à 57 points. Oui.
Kouliga, dernière ex aequo avec l'équipe de Tanger. Logiquement, c'est les phares qui gagnent. Mais c'est un match de foot. C'est un match de foot et les conditions sont différentes. Les phares veulent remporter le titre. Ils ont beaucoup de pression. Moi, je pense que la pression est côté phares beaucoup plus que Khribga. Khribga a joué en deuxième division. Elle a fait la montée sur une seule saison. Khribga pourra se rattraper sur les trois derniers matchs. Donc automatiquement, si jamais ils perdent aujourd'hui, ils ne vont pas descendre automatiquement. Parce que tu as l'équipe d'El Jadida, 25 points, à 3 points de l'équipe de Kouribga. El Jadida qui joue contre Oujda. Donc je pense que la pression est au côté phare, beaucoup plus. Oui, au niveau de la pression, oui, mais au niveau de la vantage psychologique, je pense que les phares sont bien aguerris. Maintenant, Kouribga va se maintenir. Il y a 4 journées encore devant. Même s'ils perdent ce match face au phare, ils vont se dire, bon voilà, on a encore 3 matchs pour se rattraper, parce qu'ils ne sont pas très loin de Difa, ils ne sont pas loin de Oujda. Donc il y a encore un moyen d'aller chercher 6 points ou 9 points lors des 3 dernières rencontres. Mais tout à fait. Je pense que les phares aussi savent qu'ils ont la pression derrière. Exactement. Parce qu'en cas de match nul seulement, le Wydad peut, n'est-ce pas, la surface. Peut dormir, exactement. Le Wydad pourra dormir demain leader du championnat. Tout à fait. Voilà. Et si jamais tu as évoqué ce résultat, si jamais ça se passe, bah, croyez-moi que c'est le Wydad qui va remporter le championnat. Ah oui, ça c'est clair. Si le Wydad prend la tête du championnat, maintenant, voilà, c'est fini. Parce que pour moi, toujours la pression, elle est au côté du premier. Du premier. Parce que si jamais il trébuche, il fait un mauvais pas. Donc si on parle du premier, deuxième, c'est toujours le premier qui a beaucoup plus de pression. Oui, tout à fait. Comme les athlètes, voilà. Alors, Youssef, on va aborder le match des Lions de l'Atlas. Ce match nul, 0 but partout. Pour moi, je crois que Walid a vu ce qu'il voulait voir dans cette rencontre. C'est un match amical, il fallait essayer de nouveaux joueurs, il fallait voir s'il y a certains qui peuvent aller bousculer les titulaires. Et il a totalement transformé cette équipe au niveau de l'attaque. C'est vrai, il y a Ziyech et Boufal qui étaient les titulaires, mais Abdallah, c'est celui-là qui jouait toujours le rôle de réserviste. Il venait toujours en deuxième temps, même en Coupe du Monde, on l'a vu plusieurs fois. Sauf qu'Abdallah, moi je vois qu'il a un problème, c'est la finition. Il a beaucoup de problèmes au niveau de la finition. Même en Coupe du Monde, on l'a vu, Abdallah pouvait marquer au moins 3 buts en Coupe du Monde. Ouais, Abdallah sur ce match, il a fait quelques bonnes combinaisons avec Ziyech, aussi avec Boufal. Sauf il a apparemment l'arbitre n'a pas sifflé un penalty qui était clair parce que il a quand même su oui, avoir voilà, c'était un penalty, il n'y avait pas l'avoir, malheureusement ça n'a pas été sifflé, mais c'est pas grave, c'est un match amical. Déjà le choix de l'équipe Cap Vert, c'est un bon choix. Pourquoi ? Parce que le Cap Vert, c'est une sélection qui est en pleine croissance. Depuis quelques années, ils ont gagné beaucoup de matchs face à de grandes équipes. Ben, imagine si le Cap Vert part en 2015, jouer au Cameroun et gagne son match au Cameroun. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est une équipe qui joue au foot. Ils ont des joueurs qui jouent en Espagne, ils ont des joueurs qui jouent en France. Et aussi au Portugal. Et même en Botola, au Maroc. Et même en Botola avec Borges. Ouais. Borges qui a gagné sa place avec les phares. Qui est leader du c'est du pratiquement Maroc. Voilà, c'est le défenseur buteur aussi. Ouais. Donc c'est un bon joueur. Non, moi j'ai entendu un journaliste qui a parlé de ce match, il a dit on joue contre une équipe faible. Donc je comprends pas ces gens quand ils parlent d'une équipe faible. Donc Walid a répondu automatiquement, il a dit sur une conférence de presse avant match, il a dit il y a pas, moi je suis convaincu qu'il y a pas d'équipe faible en Afrique, Cap Vert. Il a dit comme ça, Regragui. Quand j'étais adjoint dans l'équipe nationale, on avait joué contre le Cap Vert 2 matchs et on n'a pas gagné. Donc, oui, mais sans toutefois te couper au Youssef, tu vas continuer tout à l'heure. Je pense qu'il y a certains journalistes, je ne vais pas manquer de respect, qui manquent un peu de culture du football. Parce qu'avant de poser des questions, il faut aller chercher et voir un peu le Cap Vert. C'est une équipe qui a participé 3 fois successivement déjà à la CAN.
c'est pas donné. On a vu des équipes comme la Côte d'Ivoire ne pas participer successivement à des coupes d'Afrique des Nations. Donc c'est pas une équipe à négliger au niveau. Tout à fait. Tu as le choix de l'équipe. Tu vas pas jouer contre l'Égypte ou bien contre la Tunisie ou bien contre le Sénégal. Voilà, ou Côte d'Ivoire. Ou tu joues contre le Cap-Vert. Tu joues contre. C'est un bon choix. Donc moi je vais pas trop parler du commentaire de ce journaliste. Walid a très bien répondu. Le Maroc n'a pas fait un mauvais match. Il y avait des combinaisons. Mais Walid a aussi évoqué avant match. Le fait que le mois de juin c'est le mois le plus compliqué pour une meilleure préparation d'une équipe parce que les joueurs sont en fin de championnat, ils sont fatigués et ils sont en vacances, ils jouent plus dans leur club, manque de compétition, voilà, manque de compétition, la tête vers les vacances, les voyages et tout, donc les joueurs sont, je dirais, ils ont moins de force. Et hier, on a remarqué ça. Donc, il avait prévu ça, le coach. Donc, on a vu un match moyen, mais il y avait de bonnes combinaisons. Ziyech, Boufel, Sabiri. Alhamdoulilah, il a joué la première mi-temps. Je pense qu'il avait la chance d'essayer de s'imposer et de trouver les chemins défilés hier. Malheureusement, ce n'était pas le cas. On a vu aussi l'entrée de Kandous dans la défense. C'est une bonne chose. Donc on a gagné un joueur en défense qui est très jeune et qui joue à côté de Naïf Agard. Donc Romain Sey, c'est le capitaine de l'équipe nationale. C'est un joueur... apparemment, il a 33 ou 34 ans. Donc, on devra penser aussi à la relève. Donc, Walid a bien fait de le faire jouer. Il y a Hakimi Mazraoui. Mazraoui qui rejoue encore une fois à la gauche. Je pense que c'est un joueur arrière droit. Le fait qu'il y ait Hakimi à droite, c'est carrément le patron de ce côté. Voilà, mais Mazraoui aussi, c'est un excellent joueur arrière droit, mais malheureusement. Tu as deux joueurs dans un même poste qui sont brillants. Donc il a joué à gauche, donc comme en Coupe du Monde, mais il est moins efficace à gauche qu'à droite. Mais Mazraoui, crois-moi. Aussi l'entrée de Mounir, le gardien de but. Donc c'était une bonne chose de faire jouer d'autres joueurs, de les essayer, de leur donner une chance. Je pense que Mounir a fait un excellent match. Il a fait de bons arrêts, de bons réflexes. C'est un gardien qui s'impose bien. Qui a fait un bon match aussi contre la Belgique en Coupe du Monde. C'est un joueur franchement qui m'impressionne parce qu'il a un fort mental. Mais c'est incroyable. Quand tu vois l'hymne national, le joueur il est sur le banc. Après, on lui parle, on lui dit c'est toi qui vas jouer. Mais c'est très difficile, c'est le meilleur, la chose la plus difficile pour un joueur. Il joue, il fait un bon match, le Maroc gagne. Et face à qui ? Face à la Belgique. Face à la Belgique. Donc hier il était bien. Amrabat, c'est l'unique joueur qui a époqué d'un carton jaune côté marocain. Pour Amrabat, ça ne me surprend pas. Ouais, c'est un joueur, un milieu défensif. Non, il a fait un match correct. Je pense que c'était une très très bonne préparation pour le match du samedi contre la République sud-africaine. Pardon. Voilà. Tout à fait. En fait, dans le jeu, le Maroc a été très présent. Les meilleures occasions étaient marocaines. On a vu une équipe qui allait chercher le but, mais je dis, il a manqué juste un peu de réussite à cette équipe du Maroc. Le Cap-Vert a été dangereux en contre. D'ailleurs, ils se sont présentés avec un système de 4-5-1, avec un seul attaquant. Et puis, c'est une équipe qui a joué très regroupée en arrière. Ça n'a pas été facile pour l'attaque des Lions de l'Atlas d'aller chercher ces petits espaces-là parce qu'ils ont carrément tout fermé. Et oui, eux aussi venaient essayer de montrer qu'ils sont... en train de monter aussi en puissance. Et c'était normal de monter les capacités face à une équipe comme le Maroc, qui est aujourd'hui l'une des meilleures équipes dans le monde, parce que c'est voilà. Top 4. Et crois-moi Bertrand, et chers téléspectateurs, croyez-moi, essayez de suivre cette équipe du Cap-Vert. Je pense que c'est une équipe qui va créer la surprise en Coupe d'Afrique. Je suis sûr et certain parce qu'ils vont faire de bons matchs. C'est une équipe qui s'impose bien, c'est une équipe qui a beaucoup
beaucoup de, je dirais, de force. On a vu l'esprit d'équipe chez les Capverdiens. Moi, franchement, c'est une équipe qui m'a impressionné parce que le Maroc était incapable de marquer. Si c'était un adversaire plus faible, crois-moi que le Maroc, avec le jeu qu'ils ont pu faire hier, croyez-moi que le Maroc pouvait gagner pratiquement n'importe quelle équipe en Afrique et non pas le Cap-Vert. Donc le Cap-Vert, c'est une équipe qui est en pleine évolution. Voilà, je pense bien qu'ils vont, s'ils continuent comme ça avec l'esprit du groupe et tout, ils vont faire un bon parcours en Coupe d'Afrique. Et je pense que ce que Walid recherchait dans cette rencontre, c'est la cohésion. Et on a vu cette cohésion-là avec les nouveaux joueurs ou alors des joueurs qui ne jouent pas tout le temps, voir un peu comment ils peuvent se comporter avec ce groupe. Et ce que j'ai aimé dans la vision de Walid, c'est de savoir qu'il faut toujours garder la colonne vertébrale de l'équipe. Tout à fait. Quand on fait des matchs de préparation, ne pas tout balayer comme je vois d'autres entraîneurs faire. Voilà. Il garde sa colonne vertébrale et puis il réajuste. Deux, trois changements, voilà. Exactement. Trois changements. Voilà. Et voilà. Ça, c'est vraiment c'est les marques des grands entraîneurs. Il ne fait pas des choses parce qu'il veut les faire ou parce qu'il veut faire plaisir aux gens, mais il le fait parce qu'il recherche quelque chose. Et ça, c'est un point très essentiel. Et aussi pour le classement FIFA, parce que pour un match amical, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de points à gagner. C'est le Cap-Vert. Voilà, le Cap-Vert, 71e mondial. Ouais. Le Maroc, 10e ou 11e, 11e mondial, face au 71e, je pense que le Maroc va perdre quelques points. Parce qu'ils ont fait match nul. Mais si jamais ils gagnent en Afrique du Sud, je pense qu'ils vont gagner quelques points et ça ne va pas trop impacter le classement mondial. Mais si jamais le Maroc ne gagne pas en Afrique du Sud, je suis sûr et certain que le Maroc va un peu chuter. Ouais. Et j'ai remarqué autre chose, Joseph, c'est-à-dire à la fin de la rencontre, les joueurs étaient abattus. Les joueurs étaient abattus, on dirait ils ont perdu une finale de Coupe du Monde. Qu'ils voulaient gagner en même temps. Je sens, n'est-ce pas, une équipe qui veut gagner. Qui veut gagner. Parce que Walid, c'est un entraîneur sévère. C'est un entraîneur, c'est un père des joueurs. Ouais. C'est leur grand frère, ouais, plutôt. Mais ils veulent gagner leur place. Tu vois, Alhamdoulilah, quand ils ne marquent pas, tu vois Boufel, Ozyesh qui ne gagne pas parce que c'est un joueur qui aime gagner. Ouais. Voilà. C'est mondial. Tu as le gardien de but, mais le gardien de but a fait son match. Il n'a pas encaissé de but. Mais quand même, tu as quelques joueurs comme par exemple, si on prend la défense, je pense que la défense, les joueurs comme Prendos ou Egged, ils ont fait leur rôle, donc ils n'ont pas encaissé. Peut-être les joueurs les plus impactés sur ce score, c'est les attaquants. Ouais. C'est les attaquants et les ailiers, peut-être les milieux, qui n'ont pas aussi aidé les attaquants à leur donner des passes décisives, des passes qui allaient donner le but de la victoire. Ouais, ouais. Ah ben, dans l'ensemble, c'est un très beau match qu'on a vu. Une belle équipe capverdienne qui a créé quelques problèmes au Lion de l'Atlas. Et derrière, une très très belle équipe marocaine qui a développé le jeu. On a vu la cohésion, on a vu des balles qui allaient vers le côté. Ziyech qui essayait de tenter quelques petites choses, une liberté de jeu pas possible. On sent quand même un Ziyech qui n'est pas gêné du fait qu'il ne joue pas beaucoup avec Chelsea. On sent que quand il revient à l'équipe nationale, il a en totale confiance, il oublie carrément tout ce qu'il vit du côté de Londres. Et ça, c'est le mental qui prime. Tout à fait. C'est un joueur qui aime son pays. Il est revenu en équipe nationale. Il joue à l'aise dans une équipe nationale qui aime bien. Donc peut-être il est moins apprécié à Chelsea. Je pense qu'il va même quitter le club. Oui, bien sûr. Voilà. Mais avec Walid, donc tous ces joueurs, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tous ces joueurs aussi savent que Walid il est sérieux. Walid, c'est un entraîneur qui ne va pas convoquer un joueur pour lui faire plaisir. Non, jamais. Déjà, il n'a pas convoqué Yahya Atiatla. Il ne l'a pas convoqué pour ses deux matchs. Ce n'est pas parce qu'il joue la finale de la Ligue des Champions. Non. C'est parce qu'il n'a pas convoqué parce qu'il est en baisse de forme. Il n'a pas convoqué Jabran. Et sur
la dernière, je dirais, une première session d'entraînement, il a convoqué le gardien Montaigne. Il a participé à une séance d'entraînement, le gardien Montaigne. C'était avant le match aller. Il a participé à une seule séance. Donc, ces joueurs aussi adorent cette équipe et aiment bien et savent bien qu'il y a derrière un entraîneur qui c'est pas qu'il leur mette la pression, mais c'est un entraîneur à qui eux aussi ils doivent répondre positivement, parce que c'est pas facile que Walid te convoque en équipe nationale, parle avec toi et toi tu fais pas ton job. Donc sois sûr et certain que Walid, maintenant après ce match nul, bah, il va tirer les oreilles à plusieurs joueurs, et je suis sûr et je sens une victoire en Afrique du Sud, ouais. Samedi, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Youssef, avant de partir, j'ai une question. Ce sont des téléspectateurs qui veulent savoir où est parti Tagnaouti. Tagnaouti, il est en fin de contrat. Il est blessé. Il n'a pas joué la finale de la Ligue des Champions. Il ne joue pas, il n'est pas même pas sur le banc. Donc, il est en train de se rétablir. Mais apparemment, selon quelques sources, je pense que son contrat prend fin le 30 juin et peut-être il va quitter le Wydad. Peut-être, on n'est pas encore sûr, mais son contrat prend fin. Et il n'y a pas encore des négociations de... Non. Alors qu'on est déjà presque... Le 15, déjà dans deux semaines. Mais je pense qu'il pourra revenir en équipe nationale, parce que si on parle de Montaigne, c'est le troisième gardien maintenant en équipe nationale. Mais je pense que Tagnaouti pourra revenir en équipe nationale. Maintenant, Montaigne, il a gagné sa place avec le Wydad. Il a gagné sa place de titulaire, c'est un bon gardien aussi. Oui, qui allait abandonner le foot il y a quelques années à Témara. Il allait abandonner le foot. Heureusement pour lui, il a patienté, repris, joué en deuxième division, joué en troisième division. Après maintenant, il est parti à Mohamedia et le Wydad. Donc je pense que c'est un joueur qui a sauvé sa carrière grâce à son sérieux, son travail et sa bonne implication dans le foot. Vous avez donc la réponse. Tagnaouti est blessé, il est en pleine rééducation et il est en fin de contrat avec le WAC. On espère que des négociations vont débuter et on le reverra avec le WAC. Mais... Ou bien renouveler avec le club. En tous les cas, moi je pense que c'est dans l'ensemble, c'est un bon gardien. Tagnaouti aussi, c'est un bon gardien. Tout à fait. Alors, c'est terminé pour Classico de ce jour. Je crois qu'on a fait le tour. On a parlé des trois sujets essentiels. Merci Youssef. Merci à toi Bertrand. On se retrouve la prochaine fois pour... La prochaine fois, c'est mardi. On se retrouve c'est vendredi. Voilà, c'est vendredi la prochaine fois. On se retrouve vendredi pour une autre sortie avec un autre sujet. On va parler d'ailleurs de la Botola et de ces matchs de la 26e journée qui vont se jouer demain, mercredi. Portez-vous bien et à très bientôt.